Hey! Welcome back! Premier preview de 2018, ça fait 3 semaines que j'en ai pas fait. J'espère que je suis pas trop rouillé. Résolution de 2018, les previews, on va essayer de les faire dans le gym. Donc voici mon tout nouveau décor pour le preview de la semaine. Merci à Trevor qui a pris la relève la semaine passée. J'espère que vous avez eu une bonne test week. La test week qui est vraiment conçue pour nous préparer pour les Open qui s'en viennent dans un mois et une semaine. Et parlant d'Open, on va commencer à prendre les inscriptions bientôt. Si vous n'avez jamais fait les Open, c'est 5 workouts sur 5 semaines. Nous, au CrossFit de la Beauport, on fait ça le samedi. Tout le monde ensemble, on forme des équipes. Il y a des thèmes, il y a du monde déguisé là-dedans. C'est un peu... C'est sérieux, mais tout ce qui... C'est sérieux quand le WOD commence, mais tout ce qui se passe alentour, c'est vraiment relax, c'est super le fun. Donc, surveillez votre inbox pour ça. On va vous donner toutes les infos là-dessus. Parlant d'infos, les petits monstres commencent le 28 janvier. C'est nos cours de CrossFit pour enfants. Deux groupes d'âge, 5 à 8 ans, 9 à 12 ans. Ça se passe le dimanche matin. Les inscriptions commencent demain. Surveillez votre inbox, encore une fois, on vous a envoyé toutes les informations là-dessus. Push Press, deux commentaires qu'on a eus. Waitlist et voir qui a réservé pour quel cours. C'est deux choses qu'on a discutées avec Push Press, ils sont très proactifs. Donc, ils vont travailler là-dessus. On devrait avoir ces deux fonctionnalités-là. Q1 2018, donc quelque part en février, en mars, ça devrait être live. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas super bien, vous n'êtes pas trop sûr comment ça marche, parlez-en à votre coach, envoyez-nous un courriel, on va essayer de régler ça le plus rapidement possible. Notre WOD carrier, ça fait déjà, ça va faire déjà 3 ans qu'on fait ce WOD-là. C'est un WOD en l'honneur de la famille Carrier et la tragédie qui s'est passée au Burkina Faso. Donc, ce samedi, nous allons faire le WOD. C'est un WOD en équipe. C'est un WOD qui est difficile, qui est conçu pour l'être de cette façon-là. Donc, soyez là. Il y a tout le temps une bonne ambiance et c'est le fun de rendre hommage. C'est notre façon à nous de rendre hommage à la famille. Donc, soyez là samedi. La gang de CrossFit 101 qui a commencé avec nous. Good job. Vous avez passé à travers la première semaine. Deuxième semaine qui s'en vient, donc lâchez pas, vous faites une good job. Preview de la semaine, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Lundi, on est dans un, pendant 20 minutes, on est 3 minutes on, 1 minute off. Il y a des toast to bar, squat clean, double under. Et ensuite de ça, on fait un not for time, mais pour la qualité des mouvements. Il y a un mouvement de pull, il y a un mouvement de press et il y a des squats. Apparemment, c'est peut-être des pistoles, je ne sais pas, pas sûr. Mardi, on est en skill, on va travailler le muscle snatch. Ensuite de ça, vous allez travailler en imam avec le muscle snatch plus un barbell row. Pour finir, AMRAP 9 minutes, dumbbell, box jump et un mouvement de core. Mercredi, on travaille le kip swing qui est super important pour faut maîtriser ça pour rentrer dans les open. Donc, ensuite de ça, on va travailler le bar muscle-up ou le toast to bar ou le knee tuck. Et on va mixer ça avec un dumbbell step-up. Pour finir, on a un 4 rounds 4 times, handstand push-up et dumbbell. Les dumbbells, après moi, on va en avoir souvent parce que dans les Open, l'année passée, il y en a eu beaucoup. Donc, on s'attend à en avoir encore. Jeudi, on est en endurance. On a un time cap de 28 minutes. C'est 7 rounds. Ce qu'on a là-dedans, c'est une kiwi et des dumbbells. Donc encore une fois, la thématique, là, dumbbell ici, dumbbell ici, dumbbell ici, puis ici aussi, donc les lundi, mardi, mercredi, on travaille avec les dumbbells. Vendredi, overhead squat, on teste votre 5 RM, ensuite de ça, on prend votre 80% et on rajoute un workload là-dessus. Puis, on termine avec un test de distance sur le rameur, 2 rounds là-dessus, on va travailler en alternance avec un body. Donc ça, c'est pour vendredi. Et samedi, on fait carré. Donc, on se voit dans le gym, puis soyez là samedi, là, ça va être une belle journée. S'il faut rajouter des classes, on va rajouter, mais c'est tout le temps une belle journée là, pour ce samedi. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, on se voit dans le gym. Ciao!